Donc, Joujou Tech. Joujou Tech, c'est super simple. Dans le fond, ici, on a un local qui est dédié seulement à Joujou Tech. Joujou Tech fait penser beaucoup à bibliothèque. C'est le même principe qu'une bibliothèque. Donc, une Joujou Tech, ça va avoir un abonnement. Donc, les gens ou les familles, donc une personne seule ou des familles vont pouvoir prendre un abonnement. L'abonnement dure un an. Le coût de l'abonnement est de 25 $. Quand on dit complémentarité à nos services, pour toutes les gens à faible revenu, souvent qui sont notre clientèle déjà, vont pouvoir, après analyse avec l'intervenante budgétaire, on va fixer l'abonnement selon leur capacité. Donc, ça peut aller de zéro à un petit peu plus, donc pour avoir accès à la Joujou Tech. Parce qu'on sait évidemment que quand on parle de faible revenu ou de pauvreté, c'est pas toutes les personnes qui sont capables d'acheter tous les jouets nécessaires au développement de l'enfant. Donc, la Joujou Tech va permettre ça. C'est pour ça qu'on est allé vers ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une complémentarité. Par contre, la Joujou Tech, elle est accessible à toute la population. Donc, c'est vraiment des personnes de 1 mois à 110 ans. Donc, on parle vraiment de jouets et de jeux de société. Donc, quand on parle de jeux de société, on en a pour les adultes, on en a pour les personnes âgées, parce qu'une compagnie au Québec qui fabrique des jeux vraiment pour les personnes âgées, que ce soit pour la motricité, que ce soit pour parce qu'ils sont plus gros, donc parce que souvent, bon, on a des pertes visuelles, là, on parle beaucoup de dégénérescence maculaire qui est reliée à l'âge. Donc, on a vraiment une variété de jeux. Quand je parle de Joujou Tech, on vous a sorti un certain échantillon. Donc, comme vous pouvez constater, on a des classiques. Mon plus beau classique, c'est mon Battleship, parce que la nouvelle version n'est pas comme ça, mais j'ai réussi à en trouver un. Tous les jeux sont complètement neufs. Donc, on a des classiques, on a les nouveautés aussi. Donc, on a une variété et on va avoir une boîte à suggestions pour les abonnés. Donc, les gens qui vont venir, ils vont pouvoir nous dire « Hey, ça serait le fun d'avoir tel jeu ou telle gamme de jeux qu'on n'a pas nécessairement pensé. » Donc, actuellement, on va partir avec plus de 280 jeux et jouets quand même. Là, on est content parce que j'avais comme objectif à peu près au moins 300, de partir à 300. Donc, on est à 281 ou 282 jeux. Je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, on a regardé parce qu'on a de l'espace encore et avoir une section de Lego, c'est un désir qu'actuellement on n'a pas. Et une partie aussi de costumes parce que quand on parle de jeux symboliques, de jeux de rôle chez les enfants, ça fait partie du développement de l'enfant. Et les costumes en font partie. Donc pour les enfants là, en bas de 12 ans, on espère avoir une section de costumes. C'est sûr que ça, c'est beaucoup d'argent supplémentaire. Déjà, on a fait une demande avec la fondation du Club Optimiste. Donc on va pouvoir débuter ces deux sections-là, et on espère beaucoup les développer. Pourquoi un abonnement? Parce que c'est un service qui va s'autofinancer, c'est un service qu'on va pouvoir renouveler les jouets avec cet abonnement-là, ou à un moment donné, les remplacer, parce qu'on sait, là, à l'usage, à un moment donné, il y a certains jeux qui vont soit là, s'abîmer à tel point qu'on ne sera plus capable de jouer avec. Donc ça va être important là, de le faire. Un abonnement, c'est quoi? Donc, on vient faire un prêt. Le prêt, on part avec pour 2 semaines. L'abonnement donne droit à un prêt par fois. Et si jamais, bon, on sait qu'il y a des familles qui en ont plus et que là, ils veulent partir avec deux jouets ou jeux, on va pouvoir, à coût de 1 $, ajouter un jouet là, à chaque fois. Donc, c'est bon pour 2 semaines. Si la personne veut le renouveler, elle vient nous voir, elle s'informe, est-ce qu'il est réservé? Parce que moi, je le garderai pour 2 semaines supplémentaires. Donc, ça aussi, c'est une possibilité de pouvoir le renouveler s'il n'y a pas de réservation. Tout ça, c'est possible, comme je vous disais. Là, il va s'autofinancer. Mais il a fallu qu'on trouve des partenaires pour le partir parce qu'on s'entend que plus de 280 jeux, ça a un coût. Et d'où la présence d'un attaché avec moi, notre commanditaire majeur, bien, notre partenaire majeur, je devrais plutôt dire, c'est vraiment la Caisse des Jardins du fleuve des Montagnes, qui ont tout de suite dit « oui, on embarque ». On a aussi d'autres partenaires,
le premier ministre qui nous a envoyé un bon montant. On a le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Donc, on est vraiment dans l'ère de l'éco-responsabilité. On a notre députée, Émilie Foster. Et je suis super contente parce qu'on a des membres du Club Optimiste qui sont présents. Et tout de suite, ça a été un oui aussi de leur part de dire « on veut être un partenaire avec vous ». C'est pas tous les jours qu'on a la chance de prendre la parole dans un cadre aussi ludique. Ce que nous inaugurons aujourd'hui, c'est le magasin de jouets dont rêvent plusieurs cœurs d'enfants de 0 à 100 ans, surtout les moins favorisés de notre communauté. C'est donc avec un enthousiasme tout particulier que j'ai la fierté de représenter la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes Charlevoix aujourd'hui. Vous savez, nous sommes un partenaire de longue date du Centre communautaire Pro Santé. On sait que le jeu est un élément important du développement de l'enfant. C'est aussi un outil qui favorise l'acuité en vieillissant. Chaque jeu et jouet recèle un apprentissage, une stimulation. Grâce à la Joujoutèque, les enfants auront accès à une variété de sources d'apprentissage qui contribueront à former le langage, la collaboration, la mémoire, les mathématiques, les habiletés psychomotrices et bien plus. Plusieurs de ces jouets réuniront des familles, des groupes d'amis pour offrir à tous du temps de qualité dans la bonne humeur. Quand on pense que plusieurs de ces jouets sont faits de plastique, c'est encore plus important de réfléchir à des solutions pour en favoriser le partage. En ce sens, la Joujoutèque s'inscrit dans l'ère du temps. J'y vois un bel exemple de ce qu'on appelle l'économie de partage dans une vision de développement durable.